purpose do I exist? The only clue I have to regaining my lost past lies with seeking out the Chaos Emeralds. I was sent back to the gun raid on the Ark 50 years ago, and I managed to escape with Maria. Just when we thought it was safe, Gunn with its aerial craft attacked. As I fought off the soldiers who sought to take Maria's life, I felt my hatred for humanity return. Vile humans, I will never forgive you for what you have done. Sir, your transport is ready. We must go now. Sir, please. Once again, I have failed my duty to protect our nation. The Black Aliens may have rendered us unable for now, but we will rally, sir. You must keep your nation strong and together. Yes, keep the nation united. No matter what happens, we'll never surrender to these creatures. This much I learned from them. Sir, please hurry! Okay. The black creatures will feel their own bloody hell. What a pathetic sight. Shadow, follow them. Make sure they understand their situation. Alors, petite animation de course assez drôle, en tout cas ça n'a rien à voir avec la cinématique d'intro où Shadow court à la fin pour aller à Westopolis. Étape 5, Airfleet, le niveau préféré de Blaze 2025M, je le rappelle. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait plus fait, la dernière fois c'était peut-être à l'histoire ou D, je ne sais plus. Merde, qu'est-ce que je fous ? Taste, tais-toi, parce que tu m'intéresses pas, du coup, comme Black Doom, voilà, il essaye un peu de nous monter contre les humains, ouais, il cherche, et nous, voilà, on n'est pas dupes, on n'est pas la marionnette de Black Doom, je le précise. Mais, tout de même, là, ils nous ont bien chauffé, Evie Dog, là, qui vient en mode menace et tout, va te faire mettre, t'as buté Maria, enfin, vous avez buté Maria, juste, vous méritez l'enfer, quoi. Il a une haine, véritable, envers les humains qui n'est pas parti, il s'en est rappelé. Il se souvient de la promesse faite à Maria, qu'est-ce que je raconte. Ça m'intéresse par contre, du coup, les humains, du coup vous aurez compris vers quel côté on va se pencher. D'ailleurs c'est assez marrant parce que je vais terminer ce que je dis, pour une fois. Du coup je disais que voilà, bah ouf, alors la navette du président, d'accord. Détruit cet appareil et tue le leader. Ah oui, ok. Donc, la mission, c'est de tuer le président. Rien que ça. Voilà. Bon, après, je sors de la campagne de Léon de Resident Evil 6. Et dès le début, c'est à peu près ce qui se passe aussi. Donc, on va dire que je suis pas indifférent de tuer le président. J'ai l'habitude hein, dans les jeux maintenant. Alors, du coup, là, c'est marrant parce qu'on peut choisir le chemin. Et là, comme c'est les aliens, ça nous intéresse pas. On va utiliser le côté obscur. Et comme ça, on va pouvoir tuer tous les guns. D'ailleurs, il y a le vaisseau ici. Et tant qu'on a les missions immunité, profitons-en pour dégommer le vaisseau. C'est vrai que ça m'y fait penser, du coup. Alors, vu le bruit, j'ai l'impression que ça ne fait rien. J'ai l'impression que ça ne fait que ricocher. Je pense pas que c'était le cas. Mais on dirait qu'on n'a rien fait. Putain, c'est sacrément dur à esquiver les lasers hein, quand on passe... quand on fait pas attention en passant, enfin bon, je de toute façon, ils font pas attention. Putain, on a tellement de mines qu'elles sont presque illimitées, là, on peut s'y donner à cœur joie. Oh, attendez, la passerelle, là, parfait. Ah oui, ça, c'est tout bon. Merde, oh, va te faire. C'était pas le moment. Il m'a fait ralentir. Alors, j'espère que c'est pas trop chaud de l'avoir, hein, parce que il y a une mission similaire qu'on fera pas lors des aventures qui est assez compliquée, mais je le ferai dans une vidéo bonus, du coup. Ok, il est encore là. On peut encore. Ah, ok, ouais, on est invincible, donc profitons-en. Je sais vraiment pas si ça lui fait grand chose. Ça lui fait quelque chose, hein, ça j'en suis persuadé, sinon ce serait beaucoup trop vache. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une barre de vie ou alors un bouclier comme dans la mission. Comme dans. Allez.
la mission héros de Little Hagwain. Là, il n'y a vraiment aucun repère pour savoir où on en est. Hein. Si on est à la moitié, trois quarts, ou alors à 10% de sa destruction. En tout cas, on est sur la bonne voie et on a beaucoup, beaucoup trop de munitions. Donc on va clairement profiter de ça, de sa présence. Peut-être qu'il faudrait... Ah ! Ok, il n'est pas détruit. Ok, donc on a un petit repère quand même. Mais il est sacrément résistant. Il est plus résistant que le vaisseau alien, hein, je crois. Mais du coup, voilà, les humains nous auront... tellement, tellement mis la haine que là, on se dit, bon, c'est bon. Black Doom, t'es pas ma marionnette, mais quand même, voilà. Le président, là, je veux quand même bien m'en occuper, là, de j'ai envie de les détruire, tout simplement, c'est la vengeance. Alors, même si Maria, du coup, qu'on a retrouvé, qui nous disait, protège les humains et tout ça, bah... la soif de vengeance est trop grande. On veut se venger... avant de lui rendre honneur, en fait. Du coup, on est un petit peu un shadow égoïste. En quelque sorte, bon, un shadow qui tue tout le monde, c'est un peu égoïste, hein, tuer tout le monde. On va pas me faire croire le contraire. Mais voilà. Alors, je sais qu'il y a des guns et tout au-dessus, mais j'ai vraiment envie de buter la navette assez vite. Donc on va directement continuer. Ok, donc là, on va vers... On a vraiment utilisé beaucoup de munitions. Oh putain, j'avais pas vu. Je pensais qu'elle était devant. C'est assez marrant, mais c'est pas très marrant en soi ce que je vais raconter. Parce qu'on a eu les élections provinciales et régionales en Belgique aujourd'hui. Parce que je suis belge, du coup, désolé. Je suis francophone comme vous, hein, je ne suis pas si différent. Allez, arrêtons le plaisanterie. Et justement, bah, faut choisir un peu si on est de gauche, de droite, plutôt centriste. Alors moi, je répondrai pas vraiment à la question, mais disons que je suis quelqu'un qui se remet très souvent en question. Donc voilà, enfin, disons que j'en ai un peu rien à foutre, je suis pas anarchiste. Je suis pas anarchiste non plus, faut pas déconner, mais... Oh, je suis écolo, voilà, merde. Vote inutile, hein, tout le monde le sait, mais je l'assume pleinement et je suis navré, têtu comme une mule. Et voilà, peut-être qu'un jour, les gens comme moi se réveilleront et qu'on sera tous écolo. Enfin bref, c'est pas du tout le débat, le monde politique. Et pour moi, la politique, c'est pas d'un côté, il y a les héros et de l'autre, les darks, parce que voilà, il n'y a pas d'un côté des humains qui sont exterminés et de l'autre côté, bah, une race extraterrestre, parce que déjà, il n'y en a pas. Pas heureux. Enfin, du moins, pas qu'ils nous attaquent, parce qu'on ne sait pas s'ils existent. Oh, ok, non, on l'a pas encore eu, mais on y est bientôt. Est-ce qu'on peut encore le voir d'ici? Oui, clairement. On peut même le toucher. On profite, hein, on donne tout, on peut plus faire grand chose, donc on va se rapprocher de lui premièrement. J'aime pas beaucoup le risque que j'ai pris. Oh putain, ça j'aime bien par contre. Profitons-en. En plus, il est encore juste là. Ouh, ça j'aime bien les bonnes patates qu'on leur met. Voilà, le problème en politique, ce sont pas tellement ceux qui sont de droite ou de gauche, selon moi, hein, c'est mon avis. C'est plutôt les extrémistes. Putain, il est pas encore détruit, hein. Parce que eux, les extrémistes, ils peuvent en venir à vouloir tuer des gens, hein. Donc ça, là on en vient du coup à être Dark dans Shadow. Là, c'est plutôt ça, du coup. Mais bref, c'est un grand débat. J'ai pas envie d'avoir ce débat. Donc stoppons tout de suite. Et là, je veux juste en finir avec lui. Et pitié, ne m'attaquez pas, les gars, parce que vous voyez bien que je suis de votre côté. Donc ne faites pas chier, c'est pas le moment. Je suis sûr qu'on va l'avoir là. Je vais rien lâcher, même s'ils sont là pour m'emmerder. Bon, après ils m'attaquent pas, donc ça va. Mais visuellement, voilà, je suis pas trop accompagné. C'est à croire qu'ils veulent le protéger, hein. C'est assez drôle. Putain. Ah, je l'ai toujours pas eu, hein. Il est sacrément tenace, cet enfoiré. Ouais, là on est obligé par contre de les détruire, eux. Oh, je l'ai eu. Peut-être qu'il fallait qu'ils sortent de la zone. Peut-être qu'il fallait qu'ils se rendent compte que le vaisseau était détruit. Je sais pas trop. En tout cas, la mission est accomplie. Est-ce qu'elle est bien accomplie? Elle est très bien accomplie, putain. Je suis content. Je crois que j'avais jamais eu ce rang A de ma vie. Voilà. Sacrée vie. Mais je suis très satisfait. Sir, are you all right? Never mind me. What about the people of Central City? No need to worry, sir. Orders were issued yesterday, and everyone has been evacuated to the safe zone.
Very good, Commander. Now what's going on? Commander! The invaders! Estimated over 1,000 black aliens inbound. They've penetrated our outer perimeter. What? According to reports, Shadow's also been sighted with the black aliens. Shadow? I don't believe it. So he's finally decided to show himself. Attention all command units! Mobilize all mech battle sections! Prepare all weapons to strike incoming vessels! Mobilize Diablon! We must protect the President and the Chaos Emeralds at all costs! Yes, sir! Shadow, I'm counting on you! I know, Professor. The ultimate life form born to ensure peace and justice amongst all of mankind. Now, I know what I have to do. Central City, c'est la ville qu'on a détruite dans une précédente histoire, mais on l'a pas vue dans celle-ci. Mais enfin, c'est du détail. C'était un peu la continuité de Westopolis, on va dire. Gun Fortress, on y retourne. Décidément, là, on est en full compagnie avec les guns. On est vraiment dans une atmosphère full militaire et tout. J'aime beaucoup ces niveaux-là. Je me demande si ça fait pas partie de mes préférés. Mais Airfleet, je l'aime beaucoup, vraiment. Mais du coup, je m'attaque aux aliens. Est-ce que c'est pas la première fois de l'histoire? C'est peut-être la première fois de l'histoire. Enfin, du moins que je m'attaque à eux directement parce que ça fait partie de la mission. Pas en mode neutre, hein, parce que ça compte pas vraiment. Du coup, voilà, on va s'occuper des aliens parce que... Pourquoi? Ça paraît bizarre. Eh ben justement, le professeur nous disait « Préserve la paix et la justice dans le monde », bah... Voilà, on va pas trop s'attaquer aux humains, même si bon, on a un peu rompu cette promesse de préserver la paix, hein, c'est pas tellement ce qu'on a fait dans le niveau précédent, hein, on peut dire ça comme ça, même si Shadow est convaincu de ce qu'il fait, c'est sa façon d'agir, d'obéir, on va dire. Ah, d'obéir, c'est plutôt de rendre justice, de rendre justice du coup. C'est sa façon d'honorer la mémoire du professeur et de Maria, même si voilà, dans les faits, ce n'est pas tellement ça, je trouve, mais enfin... Entrons dans le jeu. Et encore une fois, on se fait des tas de munitions. Et du coup, voilà. On a une haine inconsidérable envers les humains. C'est une chose. Du coup, voilà. On a détruit la navette alors qu'il s'en est bien tiré. Ça, par contre, c'est un peu étrange. Mais enfin, voilà. On l'a peut-être pas complètement détruite. Mais elle a été un peu hors de portée pour qu'il puisse se sauver. Donc, voilà. Le président est mal en point. Et tout ce qu'ils peuvent faire, les humains, c'est de répliquer, quoi. Parce que là, ils sont en train de se faire complètement zigouiller par Shadow et les Black Arms. Mais nous, qui avons essayé... Enfin, nous qui avons un petit peu été utilisés par Black Doom, eh ben, on veut lui faire comprendre que Black Doom, ben voilà, il nous appartient pas. On fait ce qu'on a envie, en fait. Donc, les humains, très bien, voilà, c'est pas mes potes. Alors par contre, juste voir c'est quoi ma mission. Trouve la Chaos Emerald. Ok, donc c'est une mission normale, donc je peux utiliser ceci. Sans brancher. D'ailleurs, c'est marrant ça, je n'ai jamais eu activer le Chaos Control et puis voir rouge. Oh, il a fait effet en l'air parce que il nous arrête pas quand on est quand il y a le vide en dessous de nous. Et ça, ça tombe bien. Alors si je dis pas de conneries, il faut tomber ici, parfait. Ce que je disais, ça me saoule, j'ai l'impression de dire ça tout le temps. Alors je prends ce véhicule parce que j'ai refait ce niveau et en fait ce véhicule nous permet de ne pas nous faire envoler par les vapeurs qu'il y a ici, par les turbines, et c'est très intéressant en vrai. C'est juste que j'en voyais pas l'intérêt. Ah merde, j'aurais dû encore le garder. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que voilà, les humains sont clairement pas nos amis. On leur a fait comprendre, on leur a foutu une assez bonne correction. Mais les Black Arms ont essayé de se servir de nous, donc clairement je veux les envoyer chier aussi et leur faire comprendre que ce sont pas mes potes, quoi, et qu'ils m'auront pas comme ça, que depuis le début je suis pas dupe et que Shadow ne se fera pas à voir, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va choper l'émeraude parce que tout ce qui nous intéresse, c'est l'émeraude. Et s'il y a des Black Arms devant nous, et ben tant pis, on les dégommera. En soi, je peux dégommer les deux, mais vu que la mission est considérée comme une mission héros, je vais pas m'emmerder à tuer une infanterie ennemie supplémentaire, si je peux dire ça comme ça. Un groupe d'ennemis en plus, surtout si ça me fait en plus perdre du temps et des points.
Donc autant se passer de ce petit calvaire. Du coup, on récupère le véhicule et si je dis pas de conneries, là, on va refaire face à des aliens. Alors là, tout de suite, je vois pas à quoi nous sert le véhicule. Ah, il peut tirer. Je savais pas qu'il pouvait tirer. Ok, bah écoutez, on ramasse toujours des munitions parce que je vois que vraisemblablement ils ont tous à peu près la même arme, donc ça tombe bien pour nous. Mais bah, au moins le véhicule a des munitions limitées, ça c'est chouette. C'est chiant parce que on se fait. Le score d'arc rattrape quand même le héros à cause des portes qu'on détruit. Donc on va vraiment faire attention à ne toucher à aucun gun. J'ai pas vu combien on avait de clés. On a ouvert deux portes, ok. Mais très bien, du coup, on va laisser Rouge nous accompagner pour attraper l'émeraude. Là, je crois qu'il y a une clé, mais je crois que je l'ai déjà obtenue nouveau, donc c'est pas très intéressant. Ouais, non, ça change pas grand-chose. Peut-être qu'il y avait un ou deux ennemis, non. Mais il y avait de sacrés obstacles, heureusement que j'ai pu en passer. Alors là, par contre, je sais pas si on peut... Écoutez, on va esquiver les lasers, par contre, on va pas tirer. Même si c'est chouette quand on fait les missions d'arc parce que les humains, on les tue en un seul coup. Donc dans ce genre de truc, je peux les avoir assez facilement. Alors que les Black Arms, c'est plutôt deux coups. Pareil pour les Badniks. Ah, j'ai vu une porte ici, donc je me permets de l'emprunter. Non, ça c'est pas électrisé. J'ai toujours l'impression que ça l'est, comme dans Airfleet, mais non, c'est pas forcément à chaque fois le cas. C'est juste que je fais pas trop la distinction entre les rails électrisés et les rails bleus comme ça. Esthétiquement, c'est presque pareil pour moi. Alors c'est marrant, les lasers rouges, en fait on dirait des lasers là, mais en fait ce sont juste des lignes rouges qui servent de décor, je crois, et rien de plus. Donc moi je pensais que c'était des lasers qu'il y avait en fond devant nous, mais pas du tout. Alors là je pense que c'était ici que se trouvait du coup le dernier détruit le cœur de la base, ou on va dire le dernier générateur de la base des trois. Donc on va pouvoir voir la suite du niveau donc pour la mission Dark, parce que là du coup je crois que... Merde, on n'a jamais été. Et ici, qu'est-ce qu'il... Oh, je suis curieux, je vais voir. Écoutez, je vais pas prendre de risque et je vais passer directement par ici. Et si ça tombe, c'était pas encore la fin. Peut-être que je me trompe. Hein, donc, Ah bah si, c'était la fin. Ça tombe, il y avait peut-être une clé. Eh ben je saurai jamais. Ah, à moins que... Ah. Est-ce que c'est loin? Et là, on passe par là. Parce que là, du coup, je vois pas comment on peut venir de l'autre côté. Donc si ça tombe, il y a peut-être une clé, quelque chose comme ça. Ou alors peut-être que je me trompe complètement. Et que ça fait partie d'un chemin alternatif que j'aurais loupé. Que j'ai pas emprunté. Mais je veux avoir l'affirmation possible. Ah, il y avait une route au-dessus. Ok, donc il y avait plus d'aliens de toute façon. Ouais, c'était une route au-dessus. Et comment on faisait pour y accéder? Il fallait tout simplement tomber avant en fait. Ok. Ah, je suis désolé. Bon, on va en profiter pour utiliser ce véhicule qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter. Ah ouais, en fait, ça aurait été mille fois mieux de passer par là pour la mission héros parce que du coup, déjà, il y a moins de soldats. Enfin, en tout cas, ils sont pas très puissants. Et en fait, on est grosso modo plus rapide. Bah non, peut-être pas tant que ça parce que du coup, là, on fait un petit détour. Ah, la descente est assez grande, donc on est peut-être pas forcément plus rapide, mais... Bah ouais, voilà, c'était une route alternative au final, j'ai rien dit. Désolé, j'étais curieux. Alors la curiosité est parfois un vilain défaut, comme on a pu le constater ici, mais je trouve que c'est une grande qualité aussi. Et voilà, on va terminer le niveau là-dessus. Peut-être du coup avec une moins bonne note que si on l'avait terminé plus tôt. J'aurais pu me suicider et directement récupérer la ring, enfin l'émeraude. Mais puisqu'on perd tout le score héros, j'avais pas envie de m'essayer à ça et conserver mon score héros en plus de tout ça. Alors, bonus temps, score normal, 1900. Je regrette pas. Au moins je sais. Only one Chaos Emerald left. You disobeyed my orders. Yeah, well, I told you. No one tells me what to do. I need these emeralds to uncover the truth about my past. Huh. What do you think vermin like you
could accomplish on your own. Let me show you. Those who commit mutiny against me will see no mercy. And do not defy me again. Black Doom, ça faisait un petit moment, toi et moi. Ça fait un peu bizarre de l'affronter sur le terrain des Guns. A priori, c'est pas là que... La dernière fois, c'était sur son territoire à lui. Je m'attendais pas tellement à l'affronter sur le territoire des humains, hein, littéralement là où le président se mettait à l'abri. Mais enfin bref, on va en profiter pour récupérer tout ce qu'il y a, tout ce que les humains ont fabriqué, c'est-à-dire leurs armes, qui vont être très efficaces pour ce combat. Alors Black Doom, je le rappelle, il faut l'attaquer. Genre maintenant, quand il a fini d'attaquer lui, il s'est rendu chacun à son tour, hein, ça fait un petit peu RPG du coup. De façon très très vulgarisée, c'est un peu l'idée. Ok, c'est une arme qui fait. Alors ça le lock, je crois. Je me demande s'il n'y a pas. Ouais, écoutez, je vais pas prendre plus d'armes. Pour l'instant, je vais juste l'attaquer. Ouh, elle est puissante celle-là. Je vais l'enchaîner. Quand il aura fini sa prochaine attaque. Ah, je peux pas tellement enchaîner. Hein. Je sais pas si je l'ai touché une ou deux fois. En tout cas, c'est l'arme la plus puissante, donc gardons-la tant qu'on peut. Là, ok, il est passé à deux attaques parce qu'on a fait un tiers. Ok, on peut l'attaquer deux fois, peut-être trois. Ah oui, carrément. Oh, attendez, peut-être plus. Oh, est-ce que ça... Non! Oh non, putain, ça a fait comme la dernière fois, mais sauf que là, il est encore présent, donc je pensais que... Oh, ça saoule. En tout cas, voilà, ça m'avait manqué d'affronter Black Doom. J'aime beaucoup ce boss, je pense que c'est le plus satisfaisant à faire, parce que je trouve que c'est le plus facile, enfin celui qui est le plus facile à toucher. Peut-être pas forcément le combat le plus facile, je pense que le Egg Dealer est plus facile, objectivement. Mais Diablon, il est un petit peu chiant, quand on le connaît pas, il est un peu chiant. Mais il faut quand même être patient et il demande pas mal de stratégie et puis voilà, alors que lui c'est vraiment c'est bon, voilà, il faut trouver son point faible et puis après ça va un peu tout seul. Mais voilà, comme Shadow a dit, on ne donne pas d'ordre. On est ennemi avec tout le monde, bah, ennemi avec tous ceux qui nous ont fait chier au final, donc voilà. On n'a pas tenu la promesse de Black Doom, on n'a pas tenu la promesse de Maria non plus. On a essayé de tenir celle du professeur. Ah, rampé, un petit peu déçu, je m'attendais à plus. Mais voilà, au final, on a tout détruit. Black Doom, les humains. Finally, I've got all the Chaos Emeralds. Shadow. This isn't over yet. The Black Arms will rise again. I'm Shadow the Hedgehog, the ultimate life form born to rule all. With the power of these emeralds, I'm going to conquer the universe. This is who I am. No more gods, no more graves. Are you... Je ne sais pas vous, mais je pense que cette fin est la plus sombre de toutes, parce que... Alors autant... En fait... Je pense que la haine envers les humains n'est pas autant élevée que dans la fin, la première fin, la fin full dark, où on fait que obéir aux Black Arms. Enfin, que détruire les humains surtout, parce qu'en soi, obéir aux Black Arms, c'est plutôt accessoire, hein, c'est pas l'objectif premier. C'est pas comme une autre fin où là, vraiment, on était le serveur de Black Doom, la troisième fin, du coup, quand on part du haut. En partant du principe que le haut c'est full dark et que le bas c'est full héros. La première fin c'est un Shadow qui est vraiment qui a complètement la haine contre les humains. La troisième fin, bah, on est le serviteur de Black Doom, mais vu que là on s'est rebellé contre Black Doom, donc la deuxième fin qu'on vient de faire ici, au final bah, on est lié à tout le monde. On nous a tellement détruits, que ce soit les humains qui ont détruit
détruit les expériences de l'Arc, tuer le professeur et tuer Maria, à qui on a essayé de tenir notre promesse, mais on était tellement aveuglés par la rage, la rancœur, la haine, la soif de vengeance, qu'on s'est... voilà, on a fini par les persécuter, même si au début on s'en foutait, mais tout nous est revenu à l'aide de Black Doom, mais en même temps, il essayait de... ça l'arrangeait bien qu'on attaque les humains. Et il essayait de se servir de nous, mais ça, on l'a compris, Shadow n'est pas dupe. Et Shadow, du coup, s'est servi de Black Doom pour... il lui a prouvé un peu sa fidélité, jusqu'au dernier moment où il s'est un peu rebellé pour lui dire « Écoute, mon pote, maintenant que les humains, c'est fini, ça va être ton cas à toi aussi. » Et du coup, voilà, Black Doom, je pense qu'il n'a pas trop voulu venir la chose. Même si il était déterminé à l'anéantir, hein, il déteste ceux qui se rebellent contre lui, il disait, mais ça n'a pas empêché Shadow de complètement le maîtriser et d'anéantir les Black Arms ainsi que les humains et l'univers tout entier qu'il souhaite conquérir, du coup, parce que waouh, conquérir tout l'univers, c'est. Alors, à quelle fin, pour faire quoi, je ne sais pas, mais ça me paraît être quand même le truc le plus ambitieux et le plus dark, même si. Une soif de vengeance extrême envers les humains est quand même très 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 hardcore. On va dire au niveau moral, c'est. Enfin pas moral, mais je veux dire au niveau des convictions, le fait d'absolument détester une race, la race des humains, c'est quand même. Voilà, le détester, c'est pas gentil, c'est obscur comme chose, c'est très sombre, donc au final ça me paraît quand même être. Dark, on va dire. Même si là, du coup, bah, on aimerait conquérir l'univers, mais on n'a pas de haine aussi forte, on va dire. On a de la haine un peu pour tout le monde, hein, parce qu'ils l'ont cherché. Mais je dirais qu'elle est peut-être pas aussi alimentée que dans la fin Full Dark. En tout cas, moi, j'ai passé encore un excellent moment. J'aime beaucoup cette histoire, c'est pour ça que je l'ai fait en avant-dernier, parce qu'elle est trop, bah, elle est trop badass. Hein, le fait qu'on soit tous contre tout le monde, c'est un Shadow complètement rebelle en plus, mais en même temps maître de l'univers, c'est assez fou. Et du coup, ben, j'ai obtenu une arme, vu que d'après le jeu, je n'avais pas encore fait cette fin, vu que je recommence ma partie, hein, j'ai dû tout refaire. Samurai Blade niveau 2, donc là on a la grosse épée tranchante, du coup. Hein. Ben, on pourrait essayer ça dans notre prochaine histoire qui sera la dernière. Et d'après moi, j'ai laissé le meilleur pour la fin. Même si après il nous restera la vraie fin, du coup. Mais voilà, avant ça il nous reste la 10e histoire que nous entamerons la prochaine fois. J'ai très hâte. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.